Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Hightech. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique très spéciale avec un iPhone 12. Est-ce qu'on peut transformer l'iPhone 12 en un vrai scanner pour lire en instantané, c'est-à-dire que vous n'avez qu'à diriger votre iPhone sur du texte et il vous le lira instantanément. Vous allez pouvoir faire cela avec des images intégrées, c'est-à-dire des images dans Facebook, des images dans TikTok. Du moment où cette image est fixe et qu'elle possède du texte, votre iPhone sera capable de lire cette image qui contient du texte. Aujourd'hui, on peut normalement faire cela à partir de l'iPhone 10. Attention, en dessous, apparemment, cette fonctionnalité n'existe pas, malheureusement. Donc, iPhone 10, iPhone 11 et iPhone 12 sera capable de faire cette technique avec le voice-over. Photo. Exemple ici, si je lance mon appareil photo. Appareil photo. Je prends un bouquin quelconque. Je fais mon système de rotor une fois que j'ai ouvert mon appareil photo. Niveau. Caractère. Description des images. Navigation verticale. En tête. Reconnaissance de l'écran. Reconnaissance de l'écran, je l'active en faisant glisser un doigt du haut vers le bas ou sens inverse. Reconnaissance de l'écran désactivée pour reconnaissance de l'écran activée pour appareil photo. Et maintenant, si je pointe du texte devant mon appareil photo et que je pose mon doigt au centre de mon écran. Jean-Pascal Lacoste et Delphine Tellier, paradis ENTR et montagne, R, appareil plein tétan et amoureux depuis 602, Miss France, la nouvelle recrue de touche Azex de la Starac. Mets le cap sur le Maria, un visage près du bord. Voilà, donc je vous montre tout de suite comment on exécute cette fonctionnalité. C'est pas. Voilà, donc dans un premier temps, pour mettre en place cette fonction, il faut vous diriger sur Réglages. Touche. Accessibilité. Bouton. Ensuite, vous vous dirigez sur Accessibilité que vous ouvrez. Les fonctionnalités d'accessibilité, vous. Une fois que vous êtes entré dans Accessibilité, vous rentrez dans VoiceOver. VoiceOver. Oui. Bouton. VoiceOver, V majuscule. Lorsque vous êtes rentré dans VoiceOver, vous cherchez l'option Reconnaissance par VoiceOver, bouton. Reconnaissance par VoiceOver. Grâce à une technique. Vous entrez à l'intérieur et là, vous activez Reconnaissance de l'écran, oui. Reconnaissance de l'écran, activé. Vous activez cette fonctionnalité qui va télécharger un package 14,9 mots utilisés. De 14,9 mots. Votre iPhone améliorera automatiquement l'accessibilité des apps ne présentant aucune information liée à l'accessibilité. Il pourra notamment identifier l'état des boutons et des curseurs ou encore regrouper certains éléments dans les autres apps. La reconnaissance de l'écran peut être activée avec le rotor. D'autant plus que cette fonction va aussi détecter les boutons non accessibles par VoiceOver et les applications ayant des difficultés d'accessibilité. Énorme, et ce qui va permettre de faire ce que vous venez d'entendre juste auparavant. Alors, une fois que vous avez activé cette fonction, on peut fermer la fenêtre. Alors, pour les iPhones n'ayant aucun bouton Home en bas de l'écran, vous faites glisser votre doigt, vous posez votre doigt en bas de votre iPhone et vous le faites glisser vers le haut doucement jusqu'à entendre trois petits POC. Levez le doigt pour accéder au sélecteur d'app. Sélecteur d'app. Voilà, vous avez entendu POC, POC, POC. Et là, on peut maintenant fermer la fenêtre de réglage en faisant glisser trois doigts vers le haut. Une fois ceci fait, vous n'avez plus qu'à revenir dans votre appareil photo. Appareil photo. Une fois sur l'appareil photo, vous n'avez plus qu'à faire le système de rotor. Navigation verticale en tête. Reconnaissance de l'écran. Et activer la reconnaissance de l'écran. Et tout ce que vous allez pointer, vous allez être capable de le lire. Et même aller plus loin, puisque si vous prenez une photo d'un texte, vous allez être capable de vous faire lire ce texte grâce à la reconnaissance d'écran. Alors pour vous faire lire un texte, dès que vous avez activé et que vous pointez, absolument, mettez votre doigt au milieu de votre iPhone. Dites-moi, pour ceux qui ont des iPhone 6, 7 et 8, voire même 10, car il me semble avoir entendu que l'iPhone 10 n'était même pas équipé de cette fonctionnalité, ce que je trouve vraiment ultra dommage si vraiment Apple a fait ça. Alors je vais prendre une photo d'un texte et on va voir si ça fonctionne. Alors j'ai pris la photo de ce texte, c'est parti, on va ouvrir le texte en question. Bouton, image, bouton. Ici j'ai mon image, j'ai ma photo qui a été prise, si je pose mon doigt au milieu de mon écran. Semaine du 22 août, signe par signe, gala horoscope,
Rentrez bien. Semaine du 20 au 2 août, signe par signe. Gala horoscope. Rentrez bien frappé au port de nos vies plus tôt que d'habitude. Nous aurons hâte de remettre à l'œuvre, taureau, vierge, capricorne, avec une vigoureuse énergie. Nous serons une impressionnante vitalité créative, cancer, scorpion, poisson. Nous pourrons prendre des initiatives jamais osées jusqu'ici, bélier, lion, sagittaire, et inventer de nouveaux rassemblements. Voilà donc, simplement en ayant pris une photo d'un texte quelconque dans un bouquin, vous allez pouvoir faire ça n'importe où, sur des murs, si vous avez une sonnette par exemple à menu déroulant, si vous avez un papier sous la main, activez la reconnaissance de l'écran et vous serez capable de lire en toute accessibilité tous les documents, tout ce qui est écrit, voire même ce qui est écrit dans une photo Facebook, etc., dans une vidéo. S'il y a du texte, vous serez capable de lire ce texte. Alors, ce qui va être aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser cette technique, par exemple pour les personnes malvoyantes ou les personnes aveugles. Si vous vous retrouvez sur votre écran d'ordinateur avec une fenêtre que votre lecteur d'écran n'arrive pas à vous lire, vous positionnez votre smartphone devant, vous activez cette fonction, vous posez votre doigt. Arthur tiré du Bartek, merci beaucoup pour l'astuce, c'est génial. Répondre, gérer tous les commentaires. Les commentaires et les réponses, vous pouvez vous répondre, gérer tous les commentaires, si vous ne... Voilà, donc votre iPhone sera capable de vous lire un document sur votre écran d'ordinateur, et ça c'est vraiment génial. Zéro personne. Il est aussi capable, écoutez, de repérer et de décrire les objets qu'il voit autour de vous. Essayez Alexa, quelle est l'astuce du jour ? Ivo, enceinte musicale, écran, zéro personne. Enceinte musicale, écran d'ordinateur, pavé numérique, capture. Grâce à cette fonction et VoiceOver, vous êtes capable de décrire votre environnement. C'est vraiment génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas donc à la liker, à partager. Vive l'accessibilité sur Vision Hightech. Vive la team Vision. J'espère que cela vous aura donné envie de vous abonner. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Salut à tous.